Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance pour se connecter à son âme. C'est la première séance du tout dernier coffret Voyage au cœur de son âme qui vous promet une exploration et un voyage intérieur extraordinaire. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Et sans plus attendre, installez-vous confortablement en route pour cette première séance. Bonjour et bienvenue dans ce programme de 7 jours pour vous reconnecter à votre âme. Dans ce voyage très particulier dont vous êtes le héros, nous allons explorer ensemble plusieurs facettes de vous-même. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques indications pour vivre au mieux votre voyage intérieur. Tout d'abord, chaque jour, définissez un horaire particulier pour vivre ce voyage. L'idéal est de refaire la séance tous les jours à la même heure. C'est un petit peu comme si vous vous donniez rendez-vous avec vous-même. Comme si vous vous autorisiez, durant cette parenthèse, à explorer votre monde intérieur. Ensuite, choisissez un lieu pour ces séances qui vous ressemblent. Un lieu particulier ou spécial pour vous, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez prendre le temps de préparer cet espace autour de vous. Peut-être en y ajoutant des cristaux, des plantes, en mettant de l'encens, des bougies, en accueillant même votre animal de compagnie. Privilégiez un environnement qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez tout simplement bien. Toutes ces séances et ces voyages intérieurs sont protégés, guidés et enveloppés par les énergies de l'univers. Vous êtes en sécurité et à tout moment, si quelque chose ne vous convient pas ou que vous avez la sensation que vous devez stopper la séance, alors faites-le. Vous êtes libre de revenir dans l'ici et le maintenant, dès que vous le désirez. Il vous suffira de reprendre la séance à un meilleur moment pour vous. Vous n'aurez rien à faire si ce n'est de suivre le son de ma voix et d'écouter toutes les vibrations. De laisser résonner toutes les notes de musique et divers instruments. Ce programme est conçu avec de fortes vibrations énergétiques qui sont contenues dans l'intention, dans les instruments, dans la musique et dans ma voix. Je vous souhaite de découvrir toutes les facettes de votre âme et de vous réaligner. Si vous êtes prête, si vous êtes prêts, nous allons commencer le premier voyage. Installez-vous confortablement, dans la meilleure position pour vous, de la meilleure façon. Dans cette posture dans laquelle vous savez qu'il sera beaucoup plus simple de vous relâcher. Respirez profondément et trouvez un rythme avec vous-même et avec les sons qui vous enveloppent dans cet endroit dans lequel vous êtes. Et vous allez entendre un décompte. Résonner comme une voix ou un son qui pourrait vous parvenir de l'extérieur. Vous allez simplement vous laisser glisser à l'intérieur de vous à chaque nouveau son, à chaque chiffre du décompte. 1.
Vous ressentez ce corps qui s'alourdit et l'air qui entre dans vos narines qui apaise votre esprit. 2. Vous êtes là et n'avez aucune attente, car vous savez que il n'y a pas de hasard. 3. Ce voyage va être le vôtre, celui qui vous ressemble. 4. Porté par vos énergies, ressentez les tensions de votre corps se relâcher de plus en plus. 5. Ces sons qui vous emmènent dans un autre univers. 6. De plus en plus lourd ou de plus en plus léger. Ressentez. Et exactement comme ça, 7. Tout ce qu'il y a à ressentir. Vous n'avez rien à faire. 8. Car le décor est déjà en train de changer autour de vous. Et lorsque je dirai 10, vous serez totalement embarqué. 9. Dans cette exploration unique qui est la vôtre. 10. Vous avez décidé aujourd'hui de choisir ce coffret, ce voyage pour vous reconnecter à votre âme. Il n'y a pas de hasard et tout arrive au meilleur moment. Quelque chose est en train de se passer autour de vous, comme un signal. Il y a des énergies qui se présentent dans cette pièce et qui viennent vous rendre visite. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir toutes ces lumières autour de vous. Ce sont les guides de l'âme. Ils existent depuis l'origine et ils veillent sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Ils veillent à l'alignement et à la connexion des âmes. Et aujourd'hui, ils nous annoncent que un signal a été reçu pour votre âme. On dirait que quelque chose n'est pas connecté. On dirait que quelques fragments ont été dissimulés. Ils cherchent quelque chose. Autour de vous, ils vous regardent. Votre visage, votre corps. Ils observent l'environnement dans lequel vous vivez et se demandent: qu'est-ce qui est caché? Pourquoi avons-nous reçu ce signal de déconnexion? Le meilleur moyen d'avoir des réponses est de repartir à l'origine. Les guides décident alors de vous emmener avec eux. Respirez profondément. En toute confiance, laissez-vous porter. Ils vous enveloppent de leur énergie d'amour et de bienveillance. Et je ne sais pas si vous allez voir ou ressentir une lumière ou un tube de lumière, mais c'est comme si vous alliez être totalement aspiré de l'autre côté, là-haut, au-dessus de la terre. Vous voyez monter. Commencez à prendre de la hauteur et vous ressentez cette légèreté. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Vous allez simplement vivre un voyage d'exploration nécessaire. Vous commencez à voir la terre de plus haut, de plus en plus haut, puis à vous élever au-dessus des nuages pour arriver dans cet espace.
Et encore plus haut vous montez, car ces guides vous emmènent dans leur lumière pour rejoindre cette étoile. Une étoile qui scintille de tous ses éclats. Une lumière dense, encore plus dense et étincelante que celle du soleil. Comme une lumière cristalline. Vous rejoignez l'étoile de Sirius. Bienvenue dans cet espace. L'origine des âmes est née ici. L'origine des âmes de la Terre prend vie, prend forme, prend source et s'enregistre sur cette étoile. Ici, tout est codé, tout est matérialisé, tout vit à travers la matière. Puis, vous arrivez dans un lieu, dans un espace très spécial. C'est comme une salle ou une pièce, je ne sais pas. C'est la pièce où il y a cette alerte. Avec votre nom. Vous voyez juste là. Il y a cette alerte lumineuse ou sonore. Quelque chose s'est déconnecté. Quelque chose n'est pas aligné. Le guide du chemin de vie s'approche de vous. Je me demande à quoi est-ce qu'il ressemble. Chacun le voit avec ses yeux. Il n'a pas de forme. Mais chacun lui donne la forme qu'il désire voir. Certains verront un homme, une femme, une forme humaine ou une forme animale. D'autres verront tout autre chose. Peut-être simplement percevront son énergie. Il vient vous voir pour vous montrer ce grand et long tableau, le tableau des chemins de vie. C'est comme un long papyrus qu'on déroulerait. Et sur ce tableau, il y a comme une grande route. Comme un chemin. Quelque part, vous pourrez voir votre nom indiqué, votre date de naissance sur Terre, le nom de vos parents et d'autres informations sur vous. Concentrez-vous sur ce chemin, car il dessine toute votre vie sur Terre, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez commencer à zoomer sur la naissance. Vous avez un point de vue totalement extérieur et vous regardez cette route comme on regarderait une carte, comme on regarderait une autoroute vue du ciel, avec le point de départ, votre naissance, et à la fin, le jour d'aujourd'hui, comme jour d'arrivée. Zoomez jusqu'à votre naissance et vous allez au ralenti. Avancez et regardez cette route. Le guide vous accompagne. Il vous donne des lunettes particulières. Des lunettes qui ont une forme très étrange. Je ne sais pas si ce sont des vraies lunettes, mais grâce à ces lunettes aux pouvoirs très spéciaux, vous allez voir apparaître des noms, des formes, des moments clés sur cette route, des événements positifs et des événements un peu plus douloureux. Grâce à ces lunettes, vous allez observer tous les points clés
de votre âme durant votre vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Prenez le temps qu'il vous faut pour, au ralenti, observer comme on mettrait des noms, des étiquettes sur un grand tableau, tous les moments clés de cette vie. Vous regardez la scène d'un œil extérieur et ne ressentez aucune émotion. Vous faites une lecture de cartes. Et vont arriver, sans même que vous ne le décidiez, des mots-clés, des symboles, des personnages, des scènes de vie. Tout ce qui est clé et important et qui fait résonner et vibrer votre âme. Je vous laisse quelques instants pour laisser venir toutes les images. Puis vous pouvez commencer à accélérer le rythme de lecture. Ça va aller de plus en plus vite et sans même que votre conscient ne s'en rende compte. Il y a des petits éléments qui vont flasher, qui vont s'imprégner. Laissez couler, laissez partir. Vous êtes juste connecté à votre autoroute et votre âme est en train de faire comme un check-up de réintégration des informations. Puis, il y a un endroit où vous allez voir apparaître une ligne rouge, une ligne verticale ou une ligne d'une autre couleur. De manière totalement instantanée maintenant, va apparaître le moment où il y a eu cette coupure, associée à une scène de vie, à quelque chose dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Vous n'avez rien à faire. Votre âme est en train de donner les informations. C'est bon. Le guide de la reconnexion indique qu'il a trouvé cette petite brèche. Il comprend mieux pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déconnexion. Et son visage s'adoucit, comme s'il était soulagé. Il dit que tout est ok, qu'ils vont pouvoir faire la reconnexion, que ce n'est rien de bien méchant. Les guides discutent, ils font le point et se préparent à vous ramener. Vous allez d'abord devoir passer ce portique là-bas, cette espèce de portail. C'est la porte de l'imprégnation. Lorsque vous passerez cette porte, vous aurez réintégré totalement toutes les informations que vous venez de voir sur cette carte. Passez la porte, passez le portique, qui est de cette couleur, juste là-bas. Vous n'avez rien à faire. Les énergies de Sirius s'occupent de tout. Une fois que vous passez cette porte, à votre rythme, un des guides a quelque chose à vous dire, d'important, pour vous préparer avant de rentrer.
rejoignez-le. Ressentez cette bienveillance, cet amour. Il vous regarde et il a l'air tellement fier de ce que vous êtes. Il comprend votre parcours. Il comprend tout ce que vous avez ressenti. Et il vous rassure dans le fait que c'est normal de temps à autre de se déconnecter. Mais aujourd'hui, ils vont commencer votre reconnexion et pour ça, vous allez devoir revenir dans l'instant présent, mais revenir sur Sirius durant les 6 prochains jours. Voici quelques consignes avant de redescendre. Lorsque vous allez revenir, d'ici demain et durant les 6 prochains jours de séance et d'activation sur Sirius, vous allez ressentir comme une bulle, un nuage autour de vous. C'est normal. Vous serez toute cette semaine hautement connecté aux énergies et aux vibrations célestes. Et vos guides seront autour de vous durant ces 7 jours. À chaque seconde, ils seront avec vous au quotidien. Peut-être qu'ils vous enverront des messages, des signes, des perches. Ça sera instantané. C'est normal, vous rassure le guide. Surtout, il vous demande de bien vouloir demain à la même heure vous préparer à revenir pour continuer le travail. Et pendant ce temps, eux ont déjà lancé le processus de reconnexion. Il dit que votre cas est très particulier. Il a un secret pour vous. Vous êtes une âme très importante sur Terre. Et aujourd'hui, plus que jamais, la Terre a besoin de vous. Ils sont très fiers de savoir que vous allez enfin reprendre la voie de votre destinée et rayonner toute cette lumière qui compose votre âme. Le guide s'efface et s'en va. Puis, de manière totalement instantanée, les lumières vont changer autour de vous. Votre âme sait comment rejoindre la Terre. Et je vais compter de nouveau jusqu'à 10. Et je vais faire un décompte qui vous ramènera tranquillement dans l'ici et le maintenant. 10. Vous sentez les énergies autour de vous qui changent et comme un nouveau souffle qui s'empare de vous. 9. Vous pouvez vous visualiser revenir d'en haut, traverser tranquillement l'espace, quitter la lumière de Sirius 8 et redescendre tout doucement. Vous savez comme on pourrait voir 7, une étoile filante qui pourrait descendre tout doucement 6 pour traverser les nuages et revenir doucement dans ce ciel 5, apercevoir la carte de votre pays, puis votre ville 4. Et vous vous glissez de plus en plus dans la matière et dans votre corps et voyez le toit de votre maison ou de votre appartement. Vous vous voyez dans cette pièce juste là ou dans cet espace 3. Vous reprenez contact avec vous-même et vous redescendez 2 à l'intérieur de vous. Vous respirez profondément. Vous pouvez bouger vos doigts, vos orteils, enrouler vos épaules, souffler. 1. Et ressentir toute l'énergie qui recircule dans votre corps. Vous êtes maintenant revenu dans l'ici et le maintenant. Concentrez-vous sur le centre de la Terre, ce centre de gravité. Comme un aimant, vous êtes attiré par ce centre et vous ressentez instantanément un ancrage, une force qui vous reconnecte à la Terre et vous ramène pleinement dans l'ici et le maintenant. Pour aujourd'hui, le voyage se termine. Vous n'avez rien à faire.
si ce n'est de revenir demain à la même heure pour continuer le travail, pour continuer le processus. Vous êtes enveloppé par les guides qui sont là, qui seront là avec vous toute cette semaine. Si vous vous sentez comme dans un nuage ou dans une bulle d'énergie, c'est normal. Vos guides sont avec vous et vous êtes enveloppé de la puissance de Sirius. Et voilà la première séance qui se termine. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez compris, c'est la première séance de mon tout dernier coffret Voyage au cœur de son âme que je vous invite à découvrir sans plus attendre en cliquant sur le lien qui s'affiche sur l'écran et en dessous de cette vidéo. Rendez-vous sur mon site internet stéphaniedordain.com pour continuer la suite de ce voyage extraordinaire qui vous réserve de très belles surprises. Merci de votre confiance. Pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager si les contenus vous plaisent. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce journée et tout le bonheur du monde.